Ban Ki-moon est de retour en Corée du Sud. L'ancien secrétaire général de l'ONU est arrivé à Séoul, accueilli comme une rockstar à l'aéroport. Le mandat de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies s'est achevé le 31 décembre. Il pourrait annoncer très bientôt sa candidature à la présidentielle et endosser le costume d'homme providentiel alors que le pays est plongé dans la plus grande incertitude politique. Je suis prêt à m'immoler par le feu pour montrer mon dévouement et ma volonté d'unir notre pays. Afin que la Corée du Sud redevienne un pays de premier ordre. En toute humilité, je vais prendre une décision altruiste. Je ne tarderai pas à prendre ma décision. Le Parlement a voté début décembre la destitution de la présidente, Mme Park, emportée par un retentissant scandale de corruption et de trafic d'influence. Une élection anticipée pourrait être organisée dans les mois qui viennent. Ban Ki-moon est crédité de 20% d'opinions favorables.